On a posé la question à Ferland Mendy pour savoir qui était le meilleur entre Mbappé et Vinicius, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu de l'équipe de France. Je sais que le thème principal ne peut pas y ressembler, mais dans cette vidéo, on va voir les dernières actus autour de l'EDF. Ça y est, les gars, on est dans l'Euro. Là, on va se concentrer quand même sur l'Euro. On va parler énormément d'Euro sur la chaîne sur le mois à venir. En même temps, la plupart des infos, plus les débriefs de match, vont être tournés vers cela, ce qui est logique, hein. On va aussi essayer, je vais aussi essayer, les gars, de parler un peu de Copa. Je ne sais pas si ça en intéresse certains sur la chaîne, mais je vais essayer de suivre principalement, tu vois, les grosses équipes, Brésil, Argentine, Uruguay, et enfin les grosses nations, pardon, et essayer de faire un petit truc sur la Copa, mais ça, je vous promets rien, parce que je pense que ça va être très compliqué. Déjà que je me suis mis le défi et le pari de débriefer tous les matchs de l'Euro, plus il y a de l'actu à côté, je pense qu'il va y avoir déjà énormément de vidéos sur la chaîne sur le mois à venir. Donc si en plus je dois faire des vidéos sur la Copa régulièrement, ça va être compliqué, mais je vais essayer de potentiellement, s'il y a des grosses affiches, etc., ou même s'il y a des grosses actus, tu vois, des grosses prestations, par exemple un Vini qui claque, je sais pas moi, un triplé, un truc comme ça, peut-être en parler un petit peu. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. La question a été posée par un journaliste en conférence de presse à Ferland Mendy: le meilleur entre Vinicius et Mbappé? Et moi, du coup, comme Ferland Mendy a un petit peu botté en touche, je vais vous donner mon avis et ça va permettre encore une fois de faire un petit débat, même si on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était dans la vidéo Vinicius Ballon d'Or, où j'avais donné un petit peu mon avis par rapport à ça et mon ressenti. Donc, il a dit: ce sont deux joueurs différents et j'espère que ça se passera bien à Madrid, mais bien tenté, avec un petit sourire. Il espère que ça se passera bien. C'est-à-dire qu'il n'en est pas sûr quand même, hein. Et il n'est pas sûr que la complémentarité entre les deux, ça se passe très bien. Alors, bref, je vais pas chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Vite fait, moi, si je dois vous donner mon avis, mon ressenti par rapport au débat Vinicius Mbappé. Bon, déjà, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, la complémentarité entre les deux, j'ai hâte de voir ça. Parce que moi, je ne suis pas sûr à l'heure actuelle, je ne peux pas en avoir la certitude que tactiquement, avoir une attaque, imaginons, avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, pour le moment, même si on le sait, Ancelotti, voilà, il arrive toujours à bien faire fonctionner ses équipes, c'est le Real Madrid. Au Real Madrid, tout le monde arrive à, on va dire, s'acclimater un minimum, tu vois. J'attends quand même de voir, surtout dans les gros matchs, parce que moi, comme je vous l'ai toujours dit, oui, en Liga, l'attaque Rodrigo, Mbappé, Vinicius, oui, ça va très bien fonctionner, ça va rouler sur la Liga, les trois vont marquer des buts, surtout Mbappé. Je pense qu'en Liga, il va mettre sa trentaine de buts, parce qu'en plus, la Liga, je pense que c'est un championnat qui va lui correspondre mieux par rapport à ses qualités. Il y aura un peu plus d'espace pour lui à des moments, etc., etc., parce qu'il y a plus d'équipes qui essayent de jouer au ballon qu'en Ligue 1, par exemple, même si en Ligue 1, on commence à en avoir aussi pas mal. Mais globalement, quand tu joues le PSG en Ligue 1, on sait très bien que bon, on va mettre le bus et puis on va essayer de contrer. Alors qu'en Liga, même quand c'est le Real Madrid, il y a des équipes qui ont des principes un peu plus forts et qui essayent malgré tout de jouer au ballon. Donc ça correspondra parfaitement aux qualités d'Mbappé. Mais dans les gros matchs, comme je l'ai toujours dit, j'ai hâte de voir comment ça va se disposer et comment ça va être animé, comment les trois vont se comporter, etc. Parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr de la réussite à 100% de tout ça. Maintenant, sur le cas qui est le meilleur entre les deux, pour moi, c'est quand même assez clair. Si on doit parler de forme actuelle, et quand je parle de forme actuelle, je ne parle pas de sur les 3 derniers mois. Quand je parle de forme actuelle, c'est sur les 2 dernières années, on va dire, les 2, 3 dernières années. Pour moi, le débat, il n'y a pas de débat en fait. Vinicius est un ton au-dessus d'Mbappé. Même si Mbappé continue de faire plus de stats, notamment au but marqué, pour moi, Vini, depuis l'année 2021-2022, et la première Ligue des Champions en 2022 de Vini au Real, et en plus, il est buteur en finale, pour moi, cette année-là, il y a eu un déclic et il est devenu un top, 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 top joueur. Mais vraiment, le top niveau, le top. Le gratin mondial, quoi. Et je tiens à rappeler que de base, c'était pas gagné. On s'en rappelle, au début, Vinicius, la fameuse vidéo où Benzema, justement, il parle avec Ferland Mendy, Thibaut Courtois et Raphaël Varane, et il leur dit: il joue contre nous, lui donnez pas la balle. On se rappelle de cette phase-là. Et c'était Vinicius, quand même. Et regardez le joueur qu'il est devenu. Comme quoi, le fait d'être sérieux,
en fait, tout simplement de progresser, tu vois. Le Real lui a fait confiance. Je pense aussi que l'arrivée de Carlo Ancelotti lui a fait énormément de bien pour sa progression, parce que sous Zidane, c'était pas fou, si on doit être honnête. Zidane a eu beaucoup de mal à l'utiliser et à le faire progresser. Là où avec Ancelotti, je trouve qu'en l'espace d'un an, il a limite plus progressé que sous les deux ans. Je crois qu'il a fait 2 ans, 2 ans et demi sous Zidane. Il a plus progressé en un an sous Ancelotti que les 2 ans sous Zidane. Donc bref, évolution stratosphérique. Et pour moi, depuis 2021-2022, on va dire depuis 2022, pour moi, il est vraiment limite, limite le meilleur joueur du monde. Vraiment limite le meilleur joueur du monde pour moi. Maintenant, Mbappé, sa forme récente est bien moins bonne. Mais faut pas oublier les années où Mbappé était pareil au top. Je pense notamment à cette année 2021-2022 sous Pochettino, où il était stratosphérique. Franchement, pour moi, c'est le meilleur Mbappé que j'ai vu au PSG en tout cas. Il y a une année sous Tourelle, je crois c'était 2019-2020, où il était aussi très très chaud. Mais pour moi, le Mbappé 2021-2022, là, c'était du n'importe quoi, comment il était trop fort, même en Ligue 1. Il donnait un sentiment de domination sur ses adversaires, physiquement, etc. C'était ultra impressionnant. Donc, pour clore le débat assez rapidement, pour moi, à l'heure actuelle, sur les 2 dernières années, Vinicius est devant Mbappé, mais je pense qu'Mbappé a plus de qualité de footballeur. Je pense que quand Mbappé, je l'espère pour lui, même si bon, il est parti un petit peu comme un trade de chez nous. Allez, on va dire que ça y est, c'est passé. Maintenant, voilà, je vais le regarder du côté du Real Madrid pour suivre un peu ce qu'il va faire. Mais l'animosité, ça y est, est partie. C'est plus un joueur du PSG, donc de toute façon, je m'en fous. Mais si jamais il retrouve son top niveau, que ce soit physique, etc., je pense qu'Mbappé est un meilleur joueur que Vinicius, déjà par le pur biais statistique. Vinicius peut être dans des matchs plus impactants. Mais Mbappé, il a ce truc de c'est lui qui marquera quoi. C'est lui qui va faire les stats et donc automatiquement dans l'imaginaire populaire, eh ben Mbappé sera au-dessus. Donc c'est un débat très compliqué, comme vous l'avez compris. Je pense que Vinicius est un joueur plus impactant, mais qu'Mbappé est un joueur plus statistique. Je pense qu'Mbappé a quand même un peu plus de qualité que Vinicius quand les deux sont à leur prime. Maintenant, Vinicius en ce moment, il n'y a rien à dire, il est au-dessus d'Mbappé. Pour moi, là, sur les 2 dernières années, Vinicius est au-dessus d'Mbappé. Et si demain, dans un gros match de Ligue des Champions, je suis entraîneur, tu me demandes de faire le choix à gauche, par exemple, entre Mbappé ou Vinicius, je prends Vinicius tous les jours. Pour moi, en ce moment-là, il n'y a même pas débat, je prends Vini tous les jours. On va passer un peu à la suite. D'ailleurs, par rapport à Mbappé, il s'est entraîné normalement ce soir avec le reste des Bleus. Aurélien Tchouaméni était encore à part, comme Kingsley Coman, touché par une rhinopharyngite. Parce que oui, si vous n'avez pas suivi, Mbappé, ces derniers jours, ne s'était pas entraîné avec les Bleus. Il était en salle parce qu'il a encore des petites douleurs au niveau du dos. Plus, comme je vous l'ai dit, mais je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais ça fait un moment, parce qu'on me l'a dit, et même avec le PSG, je le savais qu'il avait cette petite douleur-là. Ça fait un moment qu'il a une petite douleur à l'ischio-jambier. Rien de grave, mais à force de traîner ça, tu vois, des fois, ça peut un peu impacter tes performances. Et surtout, bah, si, le jour où ça va lâcher, ça peut être des blessures qui durent un peu plus longtemps. Pour l'instant, c'est juste une petite gêne, tu vois. Mais attention à ça. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à ça un petit peu de précaution. Olivier Giroud sait depuis des semaines qu'il part comme remplaçant à l'Euro. Il est surtout attendu pour son rôle d'encadrement. Attention à cette info, même si c'est vrai que sur les principes, ça a l'air d'être vrai. Et sur le premier match, je sens qu'Olivier Giroud va être sur le banc. Parce que Deschamps va vouloir mettre Mbappé en pointe, je pense. Tester en tout cas dans ce système-là. Pour avoir un équilibre défensif plus conséquent. Maintenant, je ne suis pas fermé à l'esprit de voir Giroud réintégrer son rôle de numéro 9 si jamais au premier match l'équipe de France se vautre. C'est une possibilité. On sait que Deschamps, sur des premiers matchs de compétition, il aime bien faire des tests. Il l'avait fait à la Coupe du Monde 2018, si je ne me trompe pas. Non, c'était à l'Euro 2016. Non, c'était à la Coupe du Monde 2018, où il avait testé Mbappé. C'était quoi déjà l'attaque qu'il avait fait? Mbappé, Dembélé et Giroud, justement. Non, Mbappé, Dembélé et Griezmann. Voilà, c'était ça. Il avait fait Mbappé, Dembélé, Griezmann en pointe. Au final, ça n'avait pas du tout fonctionné sur le premier match de la Coupe du Monde. Et du coup, sur le match d'après, il avait remis Griezmann et Giroud. Et avec ce fameux système où Mbappé était passé à droite et avec Matuidi, on s'en rappelle. Avec Matuidi en plus, du coup. Donc voilà.
On va voir ce que ça va donner, mais je suis pas fermé à l'idée de voir Giroud redémarrer titulaire dès le deuxième match. Les Bleus ont travaillé sur l'association Saliba-Upamecano aujourd'hui à l'entraînement. Alors je suis assez choqué de cette information parce que pour moi en fait c'est les deux profils ensemble, c'est quand même très risqué parce que ça reste deux défenseurs mobiles qui en plus de ça n'ont pas ce côté peut-être grand de taille et capable de prendre beaucoup de ballons de la tête. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis pour que Saliba soit titulaire à l'Euro parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur français et en plus de ça, c'est celui qui est le plus en forme et qui a montré le meilleur visage lors des matchs de prépa. Maintenant, pour moi, il faut l'associer à Konaté plus qu'à Upamecano. Surtout qu'Upamecano, il sort d'une. Bah, comme Konaté, mais les deux sortent d'une saison compliquée. Mais Upamecano, je trouve qu'il est plus enclin à des fois faire des dingueries que Konaté. Et Konaté, il a ce profil un petit peu grand de taille qui pourrait rassurer la défense et les coups de pied arrêtés. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.